Bonjour tout le monde. Nous sommes le lundi 5 septembre, c'est la rentrée officielle pour tout le monde. Je prends un petit cacao et il est 8h10. Et on commence super bien la rentrée, puisque j'ai une malade. À la fièvre. Que voulez-vous? Donc le cacao vient le faire. Hop. Ma foi. Bon. On va papoter un petit coup. Hein. Voilà. Hop là. On commence super bien la rentrée. Moi du coup qui doit aller travailler aujourd'hui, bah du coup ce sera ce soir, parce que je ne vais pas faire que ça non plus de la journée, hein, je reste à la maison. Je vous allume la ring light parce qu'il fait pas super beau. Voilà, donc du coup bah, je vais prendre un croissant, parce que je lui ai dit du coup tu prends que ça et c'est tout, et en fait la bouchée elle a fait je ne peux pas la prendre, j'ai compris, j'avais pas cherché plus loin. Voilà, et donc du coup bah, je vais pas à l'école, donc c'est bon, de toute façon elle est pas en état dialyse, c'est clair net et précis. Par contre, je suis obligée d'aller à l'école parce que donc je fais le remplacement de ma collègue du groupe AMA, même si elle ne voulait pas faire le mien, c'est pas, je m'en fiche. Donc du coup, bah, je suis obligée d'aller à l'école pour prendre les clés. Donc d'un côté, je m'en serais bien passée de courir à droite à gauche, mais en même temps, on s'est vu vendredi, elle n'est pas venue vers moi, elle m'a pas dit au fait, est-ce que c'est toi? Je reviens. Bon, est-ce que je vais y arriver? Je sens que ce vlog va encore durer comme la semaine dernière, très très long, mais pour rien. C'était juste pour me dire que, au vu de comment elle a crié, son papa il l'a entendu, mais je pense pas, et puis à un moment donné, moi j'ai tout fait. Voilà, j'ai envoyé des messages à tout le monde. Au moins comme ça, c'est clair pour dire y aller pas bien. Est-ce que je vais y arriver? J'en suis pas sûre. Mais bon, je lui ai dit, je vais tuer là sur le canapé. Tu restes tranquille. Moi, je ne lui donnerai plus rien parce que c'est pas la peine qu'elle revomisse. Bon, en même temps, vous me direz, ça passera. Mais c'est chiant. Donc, je disais, parce que je vais y arriver, je vous parlais des clés. Et donc, ben, enfin, on va me voir, c'est pas grave, mon fiche. Hein. De toute façon, il faut que je les récupère, ces clés. Il faut que je les récupère. Voilà. Et puis, faut pas que j'oublie d'envoyer un message à mon chef. Ah ouais, quand même. Ouais, donc, faut qu'il le fasse. Faut que je revoie ce matin. Faut que j'envoie un message à mon chef pour le remplaçant. Parce que vous avez eu l'épisode avec le remplaçant et du coup, faut pas que j'oublie de lui dire pour le contrat. Vu qu'il est rentré de vacances, voilà. Je suis complètement sonnée. Parce qu'elle n'a pas arrêté de gémir quasiment toute la nuit, deux fois dans la nuit, plus ce matin. Et ça, j'apprécie pas parce que ça me sort mon sommeil. Pour me dire un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud, après j'ai soif. Pour ceux qui ont des enfants, c'est chiant.
Donc du coup, bah, elle m'a tiré quand même du lit ce matin à 6h, 6h30, donc à youpi. Enfin bon, bref, ça a été tout un micmac pas possible parce que madame mademoiselle avait soif, avait froid, enfin bon, bref, voilà. Je vous passe les détails. Donc je suis quand même KO. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire en ce bon et joyeux lundi? J'ai fait des découpes ce week-end, je me suis avancée parce que clairement, du coup, étant donné qu'elle est malade, hein, parce que qu'elle n'était pas le passé n'est pas passé, étant donné qu'elle est malade et que de toute façon, là, elle a vomi ce matin. Du coup, je devais avoir du monde, mais j'ai pas eu du monde ce week-end. Donc, je devais aller avoir quelqu'un hier, mais du coup, cette personne n'est pas passée, étant donné que ma fille n'était pas bien. Je me répète, mais je me refais le fil conducteur. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, j'ai fait des découpes. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'en suis trop, trop fière et j'en suis trop, trop contente. D'autre part, j'avais commandé sur Amazon. Donc des tapis de découpe pour la silhouette. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je les commande ou est-ce que je vais directement sur le Silhouette Store pour les acheter? Je me suis dit, c'est pareil comme pour la lame. Est-ce que je les achète directement sur Silhouette ou est-ce que je peux les commander sur Amazon? Bon. Mon instinct m'a bien fait comprendre que bon, Amazon serait ton ami. Donc j'avais commandé, comme je vous l'avais dit, la lame Blade, la 3, pour l'avoir. Pour en avoir une en stock. Ce qui est fait, donc je l'ai reçue. Et j'ai reçu aussi donc les tapis de découpe. Je les ai commandés par trois et je l'ai payé 20 euros les trois. Voilà. Et donc je les ai reçus vendredi, je crois. Aussi entre-temps, j'ai fait aussi des petits achats sous Ked. Je vais te vous montrer. Mais bon, on s'organise comme on peut ici, hein, franchement. Ouais. Donc, j'ai acheté ceci. Voilà, alors ils m'ont été parvenus comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Je pense que vous allez voir le trait blanc. Donc, va falloir de toute façon que je mette un message à Amazon parce que quand on a des feuilles de transport comme ça, bon, on peut se poser la question de est-ce que ça va bien tenir dans la machine ou pas. En tout cas, j'en ai trois. C'est trois mêmes feuilles de transport. Voilà, donc je les ai payées 20 euros les trois. Franchement, c'est une pépite. Et je me dis, pourquoi acheter de la marque alors qu'on peut avoir de la non-marque? Pour celles qui sont chez Silhouette, on va me dire oui, mais peut-être qu'on va me dire oui, mais bon, la marque, c'est toujours mieux. Ben ouais, mais bon, c'est un peu plus cher. Excusez-moi. Vu déjà le prix de la bécane, voilà. On essaie de faire, enfin, j'essaie de me faire des économies là où je peux. Voilà. Et donc, par contre, ces tapis de découpe collent. Mais quand je vous dis qu'ils collent, c'est qu'ils collent. J'ai fait hier un passage, je me suis dit, bon, ça va le faire. Ah non, ça l'a pas fait. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis un peu d'eau. J'ai vaporisé un peu d'eau sur le tapis de découpe. Et puis, je l'ai un peu frotté avec une microfibre. Et la colle est un petit peu partie. Alors, il y a de l'adhérence. Voilà, pour vous dire, il y a de l'adhérence, parce que je ne veux pas non plus tout enlever, sinon ça ne sert à rien, je les ai achetés.
Il y a de l'adhérence, c'est génial. Par contre, bon, voilà, il coupe quand même. Voilà. Et il coupe super bien et ça fonctionne très très bien. Donc, je suis très contente de les avoir achetés. Voilà, parce que l'autre, c'était pas possible. De toute façon, ça s'arrachait, ça se découpait très très mal et tout. Donc, je vous montre en même temps ce que j'ai. Je dis ça. Parce que ça m'est venu comme une envie d'aller aux toilettes. Je me suis dit, à côté, vous savez que j'ai un rangement, j'ai une tour en plastique où je mets mes affaires. Et je me suis dit, elle commence à devenir petite. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que mes feuilles qui sont là, je les empile, je les empile, je les empile, je les empile. Ça va pas. J'en ai là, j'en ai là-bas. J'ai les. Parce que vous voyez pas, mais j'avais les. De toute façon, vous voyez pas si je mets pas ma main. J'avais les blocs 30-30 en bas. Enfin bon, j'en ai partout. Voilà mon nouveau joujou. Il est gros. Mais en même temps, c'est une tour de 5. Je vais vous montrer. Voilà, je vais éteindre la lumière. Voilà. C'est une tour de 5 tiroirs. Voilà. Où je mets tout. Tout. J'ai pu tout recaser. Et si j'ai pas pu tout recaser, bah, de toute façon, je l'ai recasé dans mon meuble en bas. Au moins. Ça, je suis très contente parce que je me suis dit il y a longtemps j'en voulais une, mais j'osais pas sauter le pas. Je me suis dit ça va être trop. Non, c'est parfait, c'est génial. Voilà, donc je suis très contente. Je l'ai acheté chez Jiffy, donc comme quoi Jiffy a des idées de génie, mais bon, voilà. J'avais vu celle de Marie qu'elle a derrière elle quand elle filme. Vers son lit. Elle, c'est une de 13 ou 12, je crois. Donc, bon, autant vous dire que j'en voulais une comme ça, mais je me suis dit, de toute façon, elle passera pas la voiture. Et j'ai bien fait, parce que de toute façon, déjà la 5, on avait du mal. Je pense que je vais m'en racheter deux autres pour mettre une chez la petite et une pour chez moi, pour enlever et puis pour un peu mieux ranger. Et je me dis que le jour où je déménage, si un jour on doit déménager, bien évidemment, et ben ça c'est facile à transporter. Vous enlevez tout, vous foutez tout en carton, vous prenez tout et ça vous fait déjà la moitié de la place. Pratique, hein? Pratique. Allez, on passe aux découpes. On passe aux découpes. Parce que donc ce week-end, depuis que je lis la machine, j'ai déjà découpé tout ça. Je pense que la machine, je vais vite, vite, vite la rentabiliser, mais très, très vite. Voilà. Donc, pour vous dire, je cherchais les dies, les derniers de chez Action avec le tournesol et le set de peinture. Il y a des filles qui l'ont eu. je vous mettrai d'ailleurs un extrait de là où j'étais ce week-end, notamment samedi. Voilà, parce que je voulais les voir et du coup je suis tombée sur rien du tout. Comme vous le verrez dans la vidéo qui suivra celle-ci, vous verrez là où je serai allée et donc vous verrez que les rayons sont.
on est mardi 6. Je viens de me réveiller, il est 9h moins le quart, comme vous pouvez le voir. J'ai une tête dans un sale état parce que j'ai toujours ma malade. Elle va chez le médecin tout à l'heure. Je vais mettre la ring light. Il y aura peut-être un peu mieux. J'étais à peine mieux. J'ai pas dit que ça allait mieux. À peine. Voilà, ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que bah, je vais aller voir le médecin tout à l'heure. Parce que elle est à 37,4 et que bon. Hier soir, ça allait pas vraiment bien. Voilà. Et que moi, je me suis levée 3h15 du matin. Bien évidemment, pas de l'après-midi. Qu'on soit clair. Pourquoi ? Et j'essaie un peu de me réveiller avec vous. Parce que, ben, mademoiselle a dit j'ai soif. J'en peux plus, j'ai besoin de boire. Ma mangeur, elle s'était déjà levée à 3h du mat. Elle s'est... Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? 3h moins le quart du mat. De toute façon, j'arrivais plus à dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai dit, c'est bon, je me lève. De toute façon, je dors pas. Donc depuis 3h, je suis debout. Et je me suis recouchée, il était 6h25. J'ai regardé toutes les vidéos que j'étais en retard, donc là je suis à jour. Super. Voilà, depuis 3h du mat, je peux vous dire que j'ai dormi 3h, hein, entre hier soir, que je suis rentrée du boulot d'ailleurs. Et ce matin, j'ai dormi 3h. Donc moi aussi, je commence à être... Je commence à pas être bien, je commence à un peu choper quelque chose, mais bon, je vais me bouger les fesses et puis je vais me booster aussi parce que ça ne pourra pas aller pour le travail. Ça c'est simple, j'ai pas de la fièvre hein, comme la petite, mais j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, je suis pas bien. Donc je sais que je... de toute façon je trouve quelque chose. Et avec l'été, entre l'été et puis l'automne qui arrive, bah je, de toute façon c'est tous les ans hein, que je suis comme ça, voilà. Aussi pour vous dire que Derichebourg cherche quelqu'un pour la poste, parce que oui, on m'a appelé hier soir, on m'a envoyé un message hier soir, mais de toute façon, comment vous dire que bah, je peux pas être partout. Donc, elle cherche du monde pour aujourd'hui jusqu'au 23. Mais bon, quand vous aurez vu le vlog, de toute façon, bah, les dates seront passées. Non, il restera encore 15 jours. Il restera encore 15 jours. Voilà. J'ai mis des annonces sur mes groupes, enfin mes pages et autres. Pour que, bah, elle essaye de trouver quelqu'un. Parce que voilà, après je suis pas intérimaire non plus. On fait beaucoup de choses comme ça dans les intérimaires, dans les intérims, pardon, c'est-à-dire appeler la veille pour le lendemain. Je crois que j'ai passé un petit peu à ce jeu là. Encore mon chef, ça passe parce qu'il m'appelle le vendredi pour le lundi et que ça passe. Maintenant, le mardi, le lundi soir à 20h40 pour le mercredi, non. Non, voilà. Et en plus, bon, étant donné que la petite, elle n'est pas bien, voilà, je ne vais pas courir partout. Donc, ouais. Voilà. Quoi vous dire d'autre? J'ai une lettre qui va être prête à partir aujourd'hui. Étant donné que très clairement je fais ce que je peux et que je suis dans un micmac pas possible,
Bah, du coup, elle partira que ce soir pour le travail. Hier, du coup, je ne l'ai pas mise à poster parce que je n'ai pas mis les timbres parce que la journée était pénible. Voilà. Et que bah, aujourd'hui, je sens que ça va être pareil. Je vais faire la deuxième et la dernière. Enfin, la dernière, non. La deuxième enveloppe. Je pense qu'elle partira aussi aujourd'hui pour le Canada. Voilà, parce que ça fait quand même une semaine que la personne, elle attend. Voilà, mais bon, je fais ce que je peux aussi. Je ne suis pas une machine, je ne suis pas Amazon. Voilà, j'aimerais faire plus. J'aimerais faire en un jour toutes les découpes, mais j'ai quand même beaucoup de choix. Et ce que je propose aussi, même avec la silhouette, j'ai encore plus de choix. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. En même temps, c'est moi qui l'évolue. Donc, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'ai derrière ça trois autres envois à faire aussi. Si je dis pas de bêtises, une, deux autres envois à faire aussi, deux ou trois, je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Tout à fait, ma colle. Ah ben c'était pas ma coque, c'était la boule. Oh, ça c'est pénible, je la mettais à la poubelle. Vous savez, c'est les boules de surprise que j'ai gardées parce que elle a eu un pop-it dedans et du coup elle s'en sort même pas. J'ai voulu lui faire plaisir, mais au final rien du tout. Donc voilà. Du coup j'ai gardé ça poubelle. Ça m'arrangera bien gentiment. Donc oui, donc j'ai encore deux envois à faire derrière. Ce qui me fera quatre enveloppes. Mais le plus dur est passé en découpe. Donc ça va aller. Clairement, ça va aller vite aujourd'hui. Et puis voilà. Donc si je peux faire trois envois, ça m'arrangerait. Si je peux me faire les quatre, ça m'arrange encore mieux. Mais voilà, je peux peut-être faire les quatre, peut-être. Puisque le plus gros est passé, peut-être. Voilà, à voir. En tout cas, je vais aller lui donner à manger parce qu'elle part quand même pour 10h30. Donc elle va s'habiller, elle part pour 10h15 tranquille. Voilà, donc on verra bien maintenant si elle lui donne du. Je crois que le papa m'a dit qu'il y avait du spectacle, on pouvait lui donner à son âge. Bon. Après, il faut qu'on fasse aussi attention parce que vu qu'elle est allergique à un produit, qu'on ne lui mette pas quelque chose et qu'elle tape de l'allergie. Parce qu'on ne sait pas. Voilà. En tout cas, moi, je la garde ce matin, ça c'est clair, net et précis. Puis, vu l'heure, de toute façon, je ne vais pas courir à 9h moins 5 pour aller l'amener à l'école. C'est un peu ridicule, sachant qu'elle avait. École à 8h30, voilà. Ça va être dur aujourd'hui, ça va être très très dur, mais en tout cas, je vais faire ce que je peux. Si je peux me faire une sieste cet après-midi en même temps qu'elle, ça m'arrangerait parce que mon état n'est pas au beau fixe. Et puis voilà. Et vendredi, faut que je cours aussi après mon banquier pour une question sur le travail aussi à mon banquier. Quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose. Ouais. Je crois que c'est tout. J'aurais bien dormi 2 heures de plus, mais de toute façon, au bout d'un moment, il faut se lever. Ouais, donc, je vais regarder vous si j'ai des mails. C'est ce qui m'étonnerait. À peine j'avais mis. Ouais, bah, je t'assure qu'elle est hors personne.
À peine j'avais mis un message hier que déjà il y a une personne qui m'a dit ah, c'est où? Alors que cette personne n'est pas forcément fiable. Je me suis dit. Je me suis dit, ouais, bon. Enfin, bref. J'ai faim en plus. Je vais aller déjeuner. J'arrive. Bon, je vais aller la revoir. Et puis, moi, je vous dis ben, à plus tard. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 7 et il est 8h30. Ouais, bientôt 9h25. Je me suis levée il y a 1 heure à peu près. Donc, j'ai meilleure mine qu'hier. Je vais fermer la porte. Voilà, comme ça on peut parler en toute tranquillité. Programme de la matinée. Acheter des timbres. Parce que je viens de finir un pain au chocolat. Plus de timbres. Donc pour envoyer une petite enveloppe, ça va être compliqué. Voilà. En même temps, j'ai fait toutes mes enveloppes hier. Donc je me suis tout avancée hier. C'est cool. Voilà, je me suis tout avancée hier. J'ai posté 2 lettres. Hier soir, la lettre de Louise, en même temps, qui attendait depuis plus d'une semaine. Donc, comment vous dire que j'ai fait au mieux. Voilà. S'il faut, je referai des envois beaucoup plus tard. Je vais allumer la lumière, ça fait. Ouais, j'ai fait au mieux. C'est vrai que je me suis. Enfin, je me dis que si j'avais fait moins de 30 grammes, ça aurait été mieux. Parce que du coup, j'aurais. Ah non, j'aurais même pas eu. Si j'aurais eu un timbre, j'aurais pu basculer sur 2 timbres. Mais bon, c'est pas grave. Ça va se faire quand même. Voilà. Faut que je me fasse un panier Amazon aussi. Enfin, panier. Oui, panier. Panier de l'attente parce que il faut que je m'achète des feuilles craft parce que j'en ai mais elles sont souples, c'est limite du papier d'imprimante. Je reviens. Me revoilà. Donc je vous disais il fallait que je fasse il fallait pas du tout il faut que je fasse donc un panier Amazon. Pour acheter des accessoires pour la silhouette. Voilà, le tapis pas le tapis de découpe parce que j'en ai déjà. C'est fou de perdre ces mots alors que je les ai là. La housse, merci, vous m'avez compris. La housse de transport entre guillemets, la housse pour protéger. Et puis donc du papier craft, parce que comme je vous le disais, j'ai du papier, mais on dirait du papier d'imprimante. Et bah, moi ça ne me va pas pour faire les découpes, et notamment pour tout envoyer à la silhouette. Parce que oui, ce coup-ci, j'ai pris le pli pour la silhouette. Et si je peux envoyer toutes mes découpes à la silhouette. Eh bien, je vais le faire parce que c'est un gain de temps et franchement c'est cool quoi. J'ai fait du coup je ne vous montrerai pas parce que c'est déjà sous enveloppe timbrée et il y a l'adresse de la dame. Mais du coup ce que j'ai fait, Medize, je les ai scannés. Donc si vous avez une imprimante, bien évidemment, je les ai scannés. Ensuite, une fois que je les ai scannés, je les ai envoyés à Silhouette, à la dimension du dies. Et j'ai coupé. Et je me suis dit, avec un peu de chance, je ne sais pas si ça va passer.
Et ben c'est passé nickel. Et quand vous ressortez ben, forcément de la découpe, vous regardez sur votre dice. Et moi, c'était au dice, à la dimension du dice. Donc, ben, je me suis dit, gain de temps, allez hop, je retourne la silhouette, comme ça c'est fait. Et j'avais fait l'enveloppe. Voilà. Donc franchement, c'est trop bien. Quand je le fais, je découpe avant mon dice pour avoir mon négatif en noir. Voilà. Qu'après, je le passe dans mon imprimante. Que je fais noir sur une feuille blanche. Et étant donné que le noir ressort mieux, puisque c'est de la silhouette, quand vous allez voir, quand vous tapez sur internet silhouette, vous voyez, de toute façon, c'est des images en noir. Donc, et qu'après, votre silhouette va vous faire le contour. Elle va vous découper, le contour. Et ce qui est en blanc. Donc, je me suis fait ça. Et franchement, c'est un gain de temps. C'est rapide. C'est facile à faire. C'est super. Et voilà. Que demander de mieux? Rien du tout. Je me suis pas embêtée. Je me suis dit, allez, hop, au lieu de mouliner. Maintenant, j'ai envie de vous dire, pour faire quoi mouliner? Voilà, donc maintenant pour mes découpes d'eyes, je vais faire ça. Pour celles qui n'ont pas de relief, hein, parce que pour celles qui ont du relief, de l'embossage, je ferai Manuel. Et non pas le prénom Manuel. Hein. Le petit jeu de mots un petit peu con ce matin. Voilà. Sinon, les nouvelles, je me suis fait enguirlander par ma collègue hier. Encore une fois, je sais pas ce qu'ont les gens, je sais pas vous, mais moi, j'ai pas l'impression d'être à ma place ici à Angers au final. Je trouve que les gens deviennent de plus en plus aigris, je trouve que les gens deviennent de plus en plus méchants. Alors je sais pas si c'est je vais baisser un peu la cam. Je sais pas si c'est dû au Covid ou pas que les gens ont été tellement confinés à être chez eux, je sais pas, mais je trouve que c'est, je sais pas, il y a une ambiance qui est pas super et voilà. Bref, voilà, pour vous dire ça, donc ça m'a bien ennuyée, j'étais pas cool hier, parce que autant quand je rends service, pas à elle, parce que elle, j'en ai plus rien à faire, mais à la boîte, stop quoi, j'ai envie de dire stop quoi, voilà, il y a un moment donné, faut arrêter de mélanger les serviettes avec les papiers quoi. Je suis pas là pour me plaindre, je suis pas sur mes vidéos pour me plaindre, mais j'en ai... donc voilà, hier il y a la dame qui a ses deux enfants, que je vous en avais parlé, qu'on s'était, je crois, je sais plus si les deux dames de l'école, du coup, m'a envoyé un message hier soir en me disant, en fait, faut que je te parle. J'ai compris son message. Donc je lui ai dit que je reviendrai jeudi normalement à l'école, puisque j'en ai une, elle est en forme, et que grâce à elle, j'ai pu dormir quand même. Bon, je suis quand même fatiguée, mais j'ai quand même pu dormir. Voilà, et que on va parler. Rien de grave, mais voilà. Donc ça a été ma journée hier. My Petit m'a fait une colère. Une colère hier. Donc du coup, c'était ma journée hier. Il était temps qu'elle se termine. Franchement. Et quand tu es allé travailler. Et quand je suis rentrée hier soir, monsieur me dit. T'as mis un peu plus de temps
que ça, quoi. Ben, je dis en même temps, j'ai pas envie de faire comme pour faire 30 minutes, voire 35, et puis après me barrer, quoi. Je dis, on a des contrats de 45, on n'a pas des contrats de 30, hein. 35 minutes, hein. Donc voilà. Donc c'était ma journée hier. Pourtant, c'était pas le 18 mai, hein. Non, non, hein. C'était pas la Saint-Corinne, hein. C'était pas mon anniversaire non plus, hein. Mais alors, il y a des jours où. Je sais pas. Le bouchon, il fait comme ça. Voilà, quoi. Donc, à part ça, vu qu'hier j'étais là à 3h du matin, je crois que je vous l'ai dit dans le vlog, je me suis rattrapée de tout, mes vidéos que j'avais de prévues, je me les ai enfilées entre 3h et 6h du mat, c'était très très bien, au moins je suis à jour, je suis complète. Voilà. Et je vais envoyer donc une enveloppe aujourd'hui. Parce que la deuxième, il faut qu'elle parte plus tard. Étant donné que la dame, en fait, elle va faire mes découpes plus tard. C'est pas grave. Moi, comme je lui ai dit, au moins ce sera fait. Au moins c'est timbré. Et au moins, moi, je pourrais vous l'envoyer. Il n'y a pas de souci plus tard. Moi, je la mets dans la boîte aux lettres et au moins c'est fait. Voilà. Quoi vous dire de plus? Bah, c'est déjà pas mal. Faut qu'on s'aère aujourd'hui avec la petite. Parce que ça fait quand même 3 jours qu'elle n'est pas sortie. Et même si elle est malade, j'ai pas trop envie qu'elle redevienne malade. Parce que je le sens gros comme un poisson. Voilà. Et il faudra aussi que je rachète 2 tours. Les grosses comme ça de 5, 2, parce que elles sont super bien. Et je me disais pour mettre. Il y en a une, je sais ce que je vais mettre dessus, dedans. Dessus. Dedans plutôt. Par contre, l'autre, de toute façon, elle servira. Hein. Que je voulais mettre les jouets de la petite, la fille. Bien sûr. Je voulais mettre les jouets de la petite, mais je sais pas. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est que vu que je vais en racheter une, mais peut-être pas non plus ce week-end, je vais voir aussi les. Ah, faut que je cours après mon banquier. Je lui ai pas envoyé le mail hein, hier. Donc, comme ça, moi, c'est simple. Comment dire? Que moi, je vais en racheter une pour mettre là-bas au fond. En face de la douche pour tout ce qui va être Noël. Ben, Halloween, je vais vraiment les classer par thème parce que actuellement. C'est dans un bac où je suis obligée de tout sortir et que clairement, quand je sors tout, bah, ça déborde. Hein. Ça déborde chez moi parce que oui, parce que plus j'achète et plus je me dis, il faut que je rachète. Donc au bout d'un moment, ça va le faire. Voilà. Et que je voudrais mettre ouais, tout ce qui est Noël, Halloween. Il me semble que c'est 2 thèmes. Donc c'est déjà pas mal, ça va déjà me remplir 2 bacs complets. Puisque on en met quand même dans les bacs. Hein. Voilà, ça peut aussi m'aider pour mettre mes couronnes aussi. Voilà. Comme ça au moins je vis. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. J'avais quelque chose dans les cheveux. Voilà, je sais même pas où je vous regarde parce que j'ai le soleil devant moi, donc ça m'éblouit énormément. Hier, je suis allée faire des courses. Ça m'a fait trop du bien. J'ai acheté quelques petites choses. Et je vous ferai le retour tout à l'heure. C'était juste pour vous faire un petit coucou. C'est un truc de dingue. Je ne vous vois pas. Donc, je pense que je vous reprendrai depuis la maison. Et puis, à tout à l'heure.
Voilà, bon, je viens de rentrer et j'ouvrais la fenêtre parce que ouvert ma fenêtre depuis ce matin. Est-ce que j'allume ici? C'est pire. Non, ouais, je sais pas. Voilà, j'ouvre en battant. Est-ce que si j'allume la ring light, ça va faire? Est-ce que si j'allume la ring light, ça va faire? Oui, je sais, hein, je vous fais. Ouais, bah ça va. Ouais. Donc, coucou tout le monde. Voilà. Donc, il est 9h05. Je vous montre ce que j'ai acheté hier parce que je vais vous montrer tout simplement. Et puis, je vous dirai ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui. Donc, hier, bon, vu que ça, je l'adore parce qu'en fait, il était dans les poubelles hier soir du travail. Et donc, je l'ai récupéré. Donc, un petit tonneau avec des petits picots au-dessus. Et donc voilà. Donc ça va me permettre, encore une fois, de le mettre sur mon bureau quelque part. Voilà. Et puis ben, ça va me faire un porte-stylo. Donc cool. Voilà. Ensuite, je vais crapouiller pour cette toute mignonne. Alors, je vais allumer les deux lumières, ça ira mieux. Tu l'auras. Voilà. Pour cette toute jolie veste, toute mimi, toute mimi, toute douce, toute choulie. Je sais pas si je me mets là, vous allez peut-être voir. Ouais, non, je vais me mettre là, puis vous allez voir un petit peu mieux, je suppose, je pense. Non, je vais me mettre là. Oh, mettez bien. Mettez. Non, je peux pas. Voilà, donc je vais me mettre là. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Pardon, excusez-moi. Non, vous allez. Oh, vous allez voir du tout. Vous allez rien voir du tout. Donc, ce que je vais faire, je vais vous poser là. La fille qui change 36 fois les mêmes choses. Pourquoi je vais enlever mon sac? C'est le bazar, faut que je range, très sincèrement. Faut que je range. Donc, je vous la montre. Elle est toute mignonne en velours comme ça. Voilà. Et ici, un tout pilou, pilou, pilou. Il est trop beau. Donc, voilà comment elle est. Avec des poches sur le côté. Si je le fais craquer, ça va pas aller. Voilà, et voilà comment il est de dos. Il est trop beau. Il y avait ou cette couleur-là en velours ou la couleur beige. Et le truc, ce qui se passe, c'est que, ouais, comme ça, moi, vous voyez ma table, elle est grande par rapport à la pièce. Bah, elle fait toute la table, tout pan de mur. Le truc, c'est que, comment dire, le beige était bien, mais il n'était pas dans mes tailles. Il y avait une taille, mais à peine plus grande. Voilà, à peine plus grande, mais comment dire que c'est bien, mais ça me faisait un peu bouffi. Voilà, ça me faisait un petit peu sac à patates. Et puis, ben, du coup, j'ai pris celle-ci. Je voulais prendre la même en bleu, mais une autre ben, dans la même taille. Hein. Mais sauf que le derrière, il n'était pas monocoté. Il était, en fait, très clairement, il avait un défaut. Et moi, c'est pour prendre un défaut, c'est pas la peine. Voilà, donc voilà. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Donc oui, donc celui-là, il est vraiment tout en velours. Vraiment tout en velours, donc ça c'est cool. Je vais remonter un peu le trépied, voilà, qu'on voit un petit peu mieux. Ce serait plus, voilà, ce serait plus mieux.
Ensuite, j'ai pris des petits bavoirs pour ma fille. Je vous les montre. Donc, si vous faites attention, vous verrez quelque chose. Moi, je n'ai pas tilté tout de suite. J'ai tilté sur celui-là. J'ai dit, ah tiens, c'est marrant. Voilà, donc... très simple, très sobre. Voilà, très simple, très sobre. Voilà. Ensuite, je lui ai pris des tissus sans. Voilà, par contre, donc la dame était très sympathique parce que je suis descendue spécialement chez Hyperu à Lons, à Lons-le-Saunier, parce que moi je voulais des isotonnerres à scratch, pas ceux-là, voilà, des isotonnerres donc à scratch comme ça, et elle me disait que en fait chez Isotonnerre, d'ailleurs, la peinture est derrière sur les étiquettes, mais moi je me suis dit bon, ouais. Donc en fait, ça s'arrête au 27. Que le 27, c'est pour ben, les petits, c'est considéré comme des bébés. Voilà. Et après, ça passe dans la taille des grands. Je voulais pas qu'elles grandissent. Je veux qu'elles grandissent, oui, mais pas des pieds. Je rigole bien évidemment, hein, voilà. Je veux qu'elle précise, je veux qu'elle précise aussi. Voilà, donc bah, on lui a pris deux paires. Au moins, elle en aura une pour la maison et une pour l'école. Que l'école, je remettrai lundi, parce que oui, là, elle est à l'école actuellement. Sinon, je ne vous aurais pas filmé et je ne prendrais pas autant de temps. Voilà, donc voilà, ça m'a fait du bien, parce que trois jours en gastro, c'est bon, quoi. À un moment donné... fluide de zut, quoi. Voilà, la lumière ne veut pas venir. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah, bah tiens, ça sera pour Bibi. Pour Bibi, moi. Hein. Voilà, donc celui-là, je vais aller le laver parce que je ne l'ai pas encore lavé depuis hier. Et j'ai reçu un courrier qui vient de loin. Il vient du Canada. C'est la lettre de Louise bah, qui me l'a envoyée et que moi j'ai fait un retour. Voilà, enfin j'ai fait un envoi et elle m'a fait un envoi. Et donc hier j'ai reçu ceci que ben, très clairement j'allais pas le prendre hier soir parce que clairement, je sais pas chez vous, mais chez moi il a fait du tonnerre, il a fait de l'orage hier soir. Donc très clairement. Je n'ai pas du tout, comment vous dire, je n'ai pas, j'ai tout éteint hier soir, voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc là, il est 9h, il faut que je fasse rangement, parce que j'ai racheté une tour, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Mais bon, c'est le bazar, c'est trop le bazar chez moi. Voilà. Parce que je suis trop contente d'avoir racheté une tour. Là, il va falloir que je réorganise tout totalement. Donc là, vous avez ma salle de bain. Ici, là, vous avez mon grand couloir. Et là, j'ai donc mon linge qui pend, hein, normal. Et là, donc vous avez la tour que j'ai achetée hier avec donc, tout le... Tout ne va pas aller dedans, hein. Faut pas rêver. Mais je voudrais réorganiser parce que je vais vous montrer là ce que j'ai fait. J'ai mis tout ce qui était automne. Là, j'ai mis tout ce qui était Noël. Là, c'est ce que je vous parlais des pochettes comme ça, les porte-documents. Voilà, donc j'en ai là et j'en ai. Ici, voilà, là c'est tout ce qui est, pardon, là c'est tout ce qui est feuilles aquarellables et les autres feuilles de chez Action. Voilà, et là c'est tout ce qui est ce que j'ai reçu, pardon, excusez-moi, là c'est tout ce que j'ai reçu, que j'avais acheté
Mais très clairement, je pense les mettre ailleurs parce que j'ai pas mal de feuilles à ranger aussi. Voilà. Et là-bas, c'est de l'autre côté, là-bas. Voilà. Donc ça, faut que je range, faut que je fasse aussi des dessins par rapport à ma fifille, parce que soit réunion de son papa. Et donc, moi, étant donné que je ne suis pas là parce que je travaille, et ben voilà, j'ai fait une chose plus là. Voilà, donc grosse réunion par rapport à son papa. Moi, je vais essayer de descendre au Groupama parce qu'apparemment, ils sont fermés de midi et demi, je crois, jusqu'à 18h. Donc, je vais essayer de voir s'il n'y a personne. S'il n'y a personne, je fais le ménage comme ça. Ce qui m'éviterait de faire le ménage ce soir au crédit au Groupama. Comme ça, je fais le Groupama cet après-midi et je fais que le crédit soir. Comme ça, ça m'arrangerait éperdument. Et s'il n'y a personne au crédit, ce qui m'étonnerait, mais s'il n'y a personne au crédit, ben je fonce au crédit d'abord et puis après je fais le Groupama. Mais j'aurai pas forcément le temps pour tout. Voilà. Après, vaut mieux que j'aille au crédit ce soir parce qu'il y a l'après-midi pour repartir ce soir. Je vous donne des nouvelles. Tu vas remonter mon trépied. Voilà. Vous êtes mis en route. Non, je n'ai pas une malade, hein, très clairement. Non, non. On va peut-être pas exagérer non plus toute la semaine. Hein, non. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je voulais descendre au Groupama parce que j'ai vu une affiche disant qu'ils n'étaient pas là. Enfin, pas qu'ils n'étaient pas là, plutôt que l'agence était fermée à partir de midi jusqu'à 18h. Mais étant donné que en ce moment c'est les réunions, je suis descendue, mais je me suis méfiée et je me suis dit, j'ai vu deux voitures, dont une qui était garée de toute façon, qui était garée sur la place à l'entrée du Groupama. Donc je me suis dit, à peut-être pas faire la con et on va peut-être pas non plus ouvrir la porte. Même s'ils sont pas là. Dans le doute, j'ai fait demi-tour, je suis rentrée et me voici. Il est 2h05, sachant que j'ai mis la petite à 2h15. Donc j'ai fait l'aller-retour en très 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 speed. Voilà. Ce matin, j'ai fait deux machines. Donc ça, je suis super contente. Le colis pour Martine est prêt. J'ai plus qu'à coller l'enveloppe pour son mondial relais, puisque je lui ai dit que je l'enverrai en mondial relais. Plus simple, m'embête pas, m'en kikine pas. La semaine prochaine, elle l'aura. Et au moins, c'est fait. Voilà, la petite a mangé et elle a fait une sieste. Oui, une sieste. Qu'est-ce que ça fait du bien, une sieste. Oui, parce que ça fait depuis cet été, depuis juillet, qu'elle ne veut plus faire de sieste. Parce qu'il fait chaud, elle est fatiguée, elle a été malade, il a fait quand même 40 degrés, enfin j'exagère mais à peu près. Et là c'est pas d'exagération parce que dans certaines villes il a fait quand même 40 degrés et dans le monde entier, j'ai envie de vous dire, si vous voyez les pics, ben il a fait quand même 40 degrés certainement quelque part. Voilà, qu'on les a ressentis, mais qu'avec tellement de chaleur, ben, qu'on se dit 25, 30, 35, allez hop, on a 40. Voilà, parce que je sais qu'elle a besoin de faire des siestes. Faut pas me raconter n'importe quoi. Quand elle ne fait pas de sieste, c'est qu'elle ne fait rien. Et quand elle est occupée, ben, elle est fatiguée. Et là, en l'occurrence, ben, l'école. Merci l'école. L'école l'a cassée. Et c'est cool. Parce que là, du coup, ben, elle me fait moins de caprices. Elle va peut-être reprendre le rythme de l'école. Enfin, j'espère. On sait jamais. Disait ce week-end, elle peut encore retomber malade. Mais bon. Pardon, excusez-moi, de toute façon, voilà, hein. J'ai les médicaments, je la foutrai sous médicaments et hop à l'école. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je vais vous montrer le colis, enfin la... l'enveloppe que j'ai reçue donc, de Louise du Canada. Donc, elle me dit, tout en espérant que cet échange aura comblé vos attentes. Moi, très clairement,
Oui, parce que elle m'a fait en plus quelque chose que je lui avais demandé. Donc elle m'a fait ceci. Voilà. C'est des sketchs de pages ou de cartes. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop contente. Elle me les a gravés. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Je suis pas sûre, mais j'ai bien envie de faire un... Si j'ai les moyens, bien sûr. J'ai bien envie de faire un échange calendrier de l'Avent avec elle. À voir et réfléchir. Voilà, sur le thème calendrier de l'Avent. Qui veut dire calendrier de l'Avent, mettre des choses avant Noël. Et qu'il y ait un plus gros cadeau pour Noël. Tout simplement. Voilà. Peut-être parce que j'avais quelqu'un qui devait... quelqu'un qui devait faire, et au final, comme d'habitude, ça tombe toujours à l'eau. On ne me fait pas confiance, on m'envoie bouler. Voilà. Donc, elle m'a fait donc des découpes. Je l'aime trop celui-là. Voilà, et puis d'autres découpes, notamment ceci. Je l'aime trop, il est bien flashy. Voilà, et alors je vais demander des tâches. Je kiffe ces tâches. J'adore ces tâches. On dirait des petites fleurs, tout simplement. Donc elle m'en a fait deux. Voilà. Hop, la zoo avec une petite, un petit tronc. Voilà. Celui-là, il est trop canon. Il est trop canon. Je vais pas tout vous montrer parce que voilà. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a quand même. Je vais baisser la caméra, ça sera plus simple. Il y a quand même. Voilà. Hein, il y a quand même ça. Tout tombe. C'est génial. En espérant que vous voyez pas certaines choses. Il y a ça. Ah, flûte, faut pas que je fasse tout. Tout est sottise parce que ça va pas aller. Il y a ça. Et puis je vais vous baisser la caméra encore plus, ça ira beaucoup mieux. Il y a celui-là, le petit crocodile, crocodile. Il y a ça, et puis, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, tout ce qu'elle m'a fait. Voilà, c'est quand même plus sympathique. Voilà tout ce qu'elle m'a envoyé. Donc, plus un petit sable, qui est juste trop mignon. Voilà. Donc, personnellement, oui, ça me comble dans mes attentes, puisque moi, c'est moi qui lui ai proposé de faire un échange. Pourquoi ? Parce que je voulais tester la silhouette et que maintenant que la silhouette fonctionne et que j'ai quasiment tout hormis la housse que j'ai fait, ça y est, un panier Amazon, j'ai plus qu'à valider, mais ça fait ma mal parce que là j'ai beaucoup à faire. Ce que je ne vous ai pas dit ce matin, c'est que j'ai trouvé une petite librairie qui a du craft. Et donc je vais y aller samedi parce que j'ai envie de craft, non pas que j'en ai plus, mais celui que j'ai, c'est du style du papier d'imprimante. Donc pour les découper, bah, c'est juste pas du tout possible. Pas du tout. Ce matin, j'ai pris aussi, je suis allée à la pharmacie pour prendre du Prorinel pour la petite. Parce que comment vous dire qu'elle en est bouchée, donc c'est génial. Il faut que j'achète aussi un bonnet de bain pour la piscine, parce qu'elle va commencer la piscine fin septembre. Donc ça, ce sera pas mal. Et puis, voilà, c'est ce que j'ai rajouté. Donc passer à la librairie, chercher du craft ce week-end, samedi, parce que samedi, je dois faire en plus, comme je vous l'ai dit, des petits achats. Oui, toujours, encore, oui, vive les achats. Vive la thune qui part de mon compte. En même temps, je le veux bien. Voilà. Mais en même temps, c'est pour vous aussi. Bah ouais. Parce que, si j'achète pas des choses, comment les sous ils rentrent? Et bah oui, ils rentrent pas.
Voilà, n'oubliez pas non plus, si vous voulez me passer des commandes pour mes couronnes de Noël, vous pouvez, je pense que je vous ferai un vlog pour vous mettre, je sais pas moi, ouverture des commandes maintenant. Voilà, je vous montre quand même les couronnes qui sont devant moi quand je vous filme. Voilà, hormis celle-ci, parce que celle-ci c'est une couronne de Pâques. On ne parle pas de Pâques à Noël, sauf si il y a des personnes qui ne veulent pas parler de Noël et qui veulent plus parler de Pâques. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez me les commander dès maintenant, voilà, pour les avoir par exemple en octobre ou les avoir maintenant. Voilà, n'hésitez pas, c'est 5 euros la couronne. Voilà, là cette année j'avais pris, je vous avais montré, j'avais acheté plus de couronnes, j'en ai acheté non pas 25 mais 50, donc je peux y aller. En termes de taf, et puis j'ai acheté donc du feuillage, j'en ai acheté pareil, j'en ai acheté 100, donc je peux y aller, je peux la décorer, il n'y a pas de problème, et j'ai du stock, donc allez-y, voilà, j'en parle dès maintenant. Après vous pouvez, de toute façon vous pouvez les commander jusqu'à fin novembre, mais après même début décembre, mais après bon, pour les envois j'ai pas trop envie de passer trop de temps, parce qu'après je sais qu'il peut y avoir des vols via la poste, si vous me commandez par poste, mais moi je les envoie plus par mondial, c'est quand même beaucoup plus rapide et moins cher. Voilà, pour des couronnes comme ça, passer par mondial, sachant qu'elles sont pas très chères, sachant qu'elles sont pas trop lourdes en termes de grammage, ça vous fera, je suppose, des frais de port à 4,90€ au lieu de 7€ quand même via, j'allais vous dire Pôle emploi, mais pas du tout, via comment, via poste. Voilà, donc vous gagnez quand même de l'argent sur vos frais de port. Voilà, sauf si vous êtes dorgelé et puis que vous me passez commande, de toute façon vous n'aurez pas de frais de port, vous payerez directement la couronne. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire cet après-midi. Je vais faire, vu qu'il est 2h05 et que j'ai un petit peu de temps, je vais aller faire donc la commande, mettre le pour Martine. Et puis, ça va aller quand même relativement vite. Le scotcher, le préparer, au moins comme ça c'est fait. Comme ça je lui ai dit. Bonjour tout le monde, on est vendredi 9, fin de semaine. Il est, comme vous le voyez, 9h20, bientôt moins 20. J'arrivais plus à lire. En même temps, je suis très fatiguée. Je vais y arriver avec ma caméra. Je suis très fatiguée ce matin. C'est du speed. Voilà, hier soir la réunion s'est bien passée. La petite un peu fait de colère, pas de caprice, c'était génial. Donc, visiblement, ça s'est bien passé. Excusez-moi, je joue avec le trépied. Voilà, donc super. Donc, cool, ça c'est fait. La semaine prochaine, encore réunion. Et moi la semaine prochaine à partir de mercredi, remplacement. Je crois que je vais terminer comme ça, voire pire la semaine prochaine. si vous aurez quand même vlogué, hein, mais bon, de toute façon là vous avez assez de contenu cette semaine. Voilà, mais la semaine prochaine, si je vous fais pas trop de contenu, je pense que vous comprendrez mon état. Au temps normal, le vendredi, j'ai plus de pêche que ça. Mais vraiment, j'ai plus de pêche que ça. Mais là... Et tant que le week-end arrive, et encore même ce week-end, je vais pas me reposer, bien évidemment, puisque demain... demain course, voilà, demain matin course, je vais essayer de faire ce que je peux, voilà, et puis le reste, je prendrai sur internet,
Demain matin, course. Demain après-midi, ben, repos. Dimanche, repos. Et ça va me faire un bien fou. Je vais voir ce soir ce qu'il y a à faire par rapport à l'adaptement. Voilà. Parce que j'ai pas forcément envie de revenir demain matin, donc samedi matin, pour finir. Parce que autant si je peux tout faire ce soir, ça m'arrangerait. Vu que la semaine dernière, de toute façon, j'avais tout fait. Tout était propre. Donc cette semaine, je vais éviter de faire ce que j'ai fait la semaine dernière, parce que ça sert strictement à rien. Je vais pas passer mes semaines à faire que ça. Enfin bon, voilà. Donc je vais aller au travail qu'il y a à faire. Voilà. Je vais faire aussi les découpes pour Carole ce matin. J'en profite aussi. Je suis en train de lancer une machine à laver. Voilà. Je vais faire aussi. Tellement fatiguée que j'ai même plus mes idées. Je vais faire aussi, je sais plus quoi. Oui, le carton pour Martine est parti. Donc ça c'est fait. Voilà, au moins c'est fait, c'est réglé de ma part. C'est parti, Mondial Relais l'a pris. Hier j'ai acheté des timbres. Ça fait mal, mais j'ai acheté des timbres. Voilà. Je vais pouvoir envoyer la lettre aussi de la dame pour les découpes. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de dire à Martine que j'avais pas mis de mots, mais en même temps, elle saura qui je suis, donc c'est pas la première fois qu'on fait des échanges. Voilà. Il est temps que les soirées. Et comment vous dire que là, il est temps que les soirs arrivent. Voilà, et puis bah, c'est tout. Les choses sont faut que je les prépare pour la petite pour lundi. Parce que bah. Éviter de mettre toujours les mêmes chaussons, on va mettre les nouveaux chaussons. Comme ça, ce sera plus simple. Je l'ai mis là. Ok. Et puis c'est tout. Ouais, c'est tout. Donc, moi, je vous souhaite une bonne journée d'avance. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, et je pense que, sachant que vous avez assez de contenu pour cette semaine, la semaine prochaine je vais essayer de moins papoter, aussi de papoter plus longtemps, mais de faire des séquences un peu moins longues, parce que vous verrez tout ce qui est en rush, c'est affreux, 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 affreux. J'ai pas ma liste. Et ça sera lui. J'ai une tête. Que des petits frisés de ça. Ah bah les gens devant toi. Là, il faut que je veille. Non. J'avais un crayon couleur, oui bien sûr, tout à fait, un crayon de papier dans le temps, mais ce fut dans le temps, entre hier puis aujourd'hui, il a disparu. C'est pas grave, donc acheter des timbres, ça c'est fait, et il fonctionne très bien ce feutre, forcément si elle me le repasse tout sur les yeux, ça peut pas aller, hein, si elle me le repasse, il est là. Il a le crayon papier. Mais étant donné que ça, je crois que c'est un stylo, bah, on va pas y arriver. Donc, acheter des timbres, ça c'est fait.
ça. Comment pour Carole? Ok, passe à la librairie, ça c'est là. Par contre, ils ont, je crois, par paquet de 40, je crois. C'est mieux que rien, hein, vous me direz. Hein. Et ça. Donc, ça va aller vite parce que là, on va faire ça, ça, ouais, ça va aller. Je suis épuisée. En temps normal, ça va vraiment mal, alors là. De toute façon, vous le voyez à mes yeux. Et encore, j'ai pas fini ma journée. J'ai pas du tout fini ma journée. Parce que ma soirée, elle va être coton en soi. Crédit de 6 à 7. Groupama de 7 à 8. Et après, il faut que je monte à l'adaptement pour voir ce qu'il y a à faire en taf. Et que après, si j'ai la force, j'y vais. Si j'ai pas la force, je fais demain. De toute façon, on s'en fout. Du moment où j'y ai, c'est le principal. Mes heures sont faites. Étant donné que j'ai un très bon aspirateur maintenant, ça va encore mieux. Voilà. Ouais, je suis épuisée. Il faut que j'oublie pas de mettre le titre de ce vlog. J'ai deux idées pour le titre de ce vlog. Mais Faut que je bûche. Voilà. Bon. Bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.